le prix à payer. Waouh, regarde cette robe. Qu'est-ce qu'elle est belle! Je me demande combien elle coûte. Quand on trouve quelque chose qui nous plaît dans un magasin, on s'empresse de regarder le prix. Qu'est-ce que ce serait bien si c'était pareil avec la tentation, si on pouvait comprendre le coût du péché à première vue? Je me demande, si le fruit défendu avait été pourri et grouillant de ver, est-ce que Ève en aurait pris? Mais la Genèse nous dit, « Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » Ève a agi selon ses désirs du moment, sans regarder le prix à payer. Aujourd'hui, vous serez confrontés à de nombreuses décisions. Demandez donc à Dieu de vous donner du discernement. Il vous aidera à reconnaître le coût du péché, peu importe l'attrait qu'il semble avoir à ce moment-là.